a quelqu'un qui m'a demandé ce que je pensais de l'immortalité. Est-ce que nous pouvons vivre de manière immortelle? Alors j'ai pensé que faire cette vidéo-là pour réfléchir un peu à ce problème que nous avons de la mort. Puisque nous cherchons l'immortalité, puisque nous voulons quelque chose qui soit pérenne, qui ne soit pas fini. Mais il faut se dire, et tout le monde le sait, que la vie, c'est un cycle de changement permanent où tout est éphémère et rien ne dure. On peut faire ce qu'on veut. À travers toutes les générations, on a pu voir qu'il y a un commencement et une fin. Et ça n'a jamais été autrement. Dans les faits, tout naît et tout meurt. L'esprit, lui, est en dehors de ce mouvement, puisque c'est le mouvement du temps. Lui, l'esprit, ne meurt jamais. Il n'est jamais né et il ne meurt jamais. Donc, toute cette activité que nous avons, qui s'appelle le temps, c'est-à-dire aujourd'hui on fait quelque chose, on l'enregistre et puis on le lance dans l'espoir pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent continuer à exister. Et on voudrait toujours jouir de ce plaisir-là. Dans la réalité, c'est de l'éphémère. À partir du moment où tu penses que de pouvoir rester dans l'éternité, alors ça devient une illusion parce que la forme qui est née ne peut pas être éternelle. Parce que l'éternité, c'est un mouvement de naissance et de mort. Tout le temps, ça se régénère comme ça. Donc il faut donc mourir pour pouvoir connaître ce qui est neuf. Si tu ne sais pas ce que c'est mourir, alors tu ne sais pas découvrir non plus ce qui est neuf. Vouloir que ton corps perdure pour toujours, ce serait ridicule, parce que en fait, tu seras dans la mémoire tout le temps. Il y a un hier et un demain, et tu es voué à être prisonnier du temps. Seul l'esprit peut vivre éternellement. Donc, si tu veux vivre un peu plus longtemps, il faut faire attention à ton corps, bien prendre soin de lui, ne pas abuser, freiner un peu la dégénérescence qu'il y a, parce qu'à chaque fois que tu penses, ce corps dégénère. À chaque fois que tu veux quelque chose, ce corps dégénère. On est en dégénérescence, depuis que tu es né. Puisque ce que tu veux, c'est rester dans le temps. À partir du moment où l'esprit n'occulte pas le temps, il est en dehors de tout ce que le temps propose. Il ne s'attache pas à toutes ces choses que le temps propose. Alors il y a un phénomène qui peut se produire, c'est que la régénérescence de ton corps peut se faire pendant longtemps. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que la vie elle-même n'est pas porteur de cet espoir
que tu es celui qui ne meurt jamais. Vouloir rester longtemps, ça veut dire que tu veux encore accomplir quelque chose pour pouvoir faire en sorte que tu sois dans le bien-être de ce que la vie propose, le plaisir, tout ce que tu peux gagner, les réconforts, les zones de confort que tu peux te faire, tous les privilèges que tu peux avoir. Il te faut un corps pour pouvoir en jouir. Mais tout ce que tu jouiras de toute manière, ce sera de l'éphémère. À mon sens, il faut rester dans les faits et ne pas chercher à faire exister quelque chose que on aimerait faire exister. Parce qu'à chaque fois que tu aimerais quelque chose, il y a quelqu'un qui aimerait ça. Et celui-là, c'est le personnage que tu t'es donné d'être. Il veut exister. Il veut continuer. Cet ego, ce centre égocentrique qui veut toujours plus et plus de temps pour pouvoir encore exister, pour ne pas mourir. Alors il va perpétuer l'habitude, les train-train, les histoires que tu te racontes deviendront très importantes et tu vas faire en sorte que toute l'histoire que tu auras pendant ce vivant-là devienne très importante. Et au bout d'un moment, il y aura toute la frustration parce que tout ça, de toute façon, c'est éphémère. L'histoire est éphémère. Ce que tu vis est éphémère. La vie, elle arrive, passe à travers ton corps et elle accomplit ce que l'éternité veut. Et quand ton corps est tranquille, quand tu ne l'abuses pas, quand tu fais tout pour être l'instrument de ce que la vie propose, tu laisses la vie utiliser ton corps. Ça veut dire que tu lui donnes de la place pour exister. Tu n'es pas encombré dans un corps qui s'appelle « moi ». Qui est un personnage, qui a tout un rôle, qui a tout un encombrement. L'espace où la vie doit passer doit être libre. Parce que ce que tu es en réalité, dans la grande réalité, c'est que tu es la vie. Et toutes ces choses qui existent, la vie utilise. Et ce sont des cycles dans lesquels tout se passe. Et c'est des cycles qui se répète tout le temps, qui ne cesse jamais, puisque la vie, elle vient et elle crée toutes ces choses pour faire exister. Mais ce sont des cycles. Tu ne peux pas le garder. Impossible. C'est les faits. Tel l'enfant né, il grandit, il apprend la vie de l'adolescence, la vie d'adulte, la vie de vieillesse, et puis il meurt. Il a peut-être là, dans ce laps de temps, compris ce que il est, qui il est. Parce qu'il n'est pas ce corps. Ce corps, c'est de l'éphémère. Mais ce que tu es, si tu as compris ça, alors tu donneras la possibilité à ton corps d'être dans la régénérescence de ce que la vie propose, puisque tu as la vie en toi. Tu n'as pas l'espoir, tu n'as pas le but, tu n'as rien d'autre que là, maintenant. Et quand tu es là, maintenant, il n'y a pas de dégénérescence. À partir du moment où tu penses, il y a dégénérescence. À partir du moment où tu veux garder ce que tu as acquis, c'est-à-dire ce corps, tu t'es identifié à ça, donc tu t'es acquis une identité en disant « ça c'est moi ». Mais en réalité, ce n'est que l'image, le personnage
que tu t'es donné d'être, mais ce que tu es est au-delà de tout ça. Et c'est au-delà de tout ça qu'il y a l'éternité. De comprendre ça, alors l'immortalité n'a plus de sens. Parce que tu comprends que rien n'est pour toujours. Tout ce que tu es là, c'est l'illusion. Ton corps, la vie que tu as, l'histoire que tu as fait naître par toutes tes actions, par toutes tes envies, tous tes désirs, ça meurt. Ça ne peut pas rester parce que c'est éphémère. Ça n'existe pas. Donc, il y a cet espoir dans l'homme de pouvoir faire exister ça. Donc on pense à cette immortalité, on rêve de ça, on fait des films en science-fiction pour pouvoir expliquer ce phénomène que nous avons au fond du cœur, pour pouvoir continuer à exister encore et encore et encore, et ne jamais cesser de s'activer pour faire et faire et faire. Tout ça, c'est l'activité du temps. Et dans le temps, tout naît et tout meurt. Tu n'y peux rien. Par contre, tu peux accélérer le processus du temps où tu vas faire des choses et le temps va passer plus vite et tu iras plus vite à la tombe. Par toutes tes tracasseries, toutes tes activités. Donc, il est nécessaire pour toi de faire en sorte que tu sois toujours tranquille et laisse les choses être, parce que c'est la vie qui prendra en main. Et tu ne sais pas ce que la vie prévoit pour toi. Juste, il y a juste là un phénomène où tu es présent, et cette présence, elle est éternelle. Donc si tu es là présent avec l'éternité, alors tu vas faire briller ce que l'éternité propose. Tu vas faire émerger ce que l'éternité propose. Et il n'y a que ça qui peut exister. Autrement, ce que tu voudrais faire exister pour garder toute la notoriété que tu as eue, l'être que tu es, et croire que tout ça doit durer encore et encore. C'est misérable. C'est une vie d'habitude, de train-train. Il faut que ça cesse. Mais on a peur, hein? On a peur que ça s'arrête. On a peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Ça nous fait terriblement peur de partir, de laisser tout ce qu'on a connu, toutes les choses qu'on a acquises, la vie que j'ai, je voudrais encore la vivre. Ça nous fait peur qu'elle s'arrête. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après. Donc on voudrait que ça perdure. On voudrait que l'éphémère perdure, que ce qui est périssable perdure. Donc on s'accroche à ce que, à quoi on s'est identifié. On s'est identifié à ce bout de chair qui de toute façon t'échappera un jour. Tu ne pourras plus garder l'énergie avec laquelle elle supporte la vie. L'énergie s'en ira et le corps tombera parce qu'il n'y aura plus dans ce corps l'énergie nécessaire pour pouvoir garder la vie présente. C'est le destin, qu'on aime ou pas. Donc toutes les belles choses qu'on peut penser,
sur une vie éternelle, sur une immortalité, sera de toute façon une déception. La seule chose qui est immortelle, c'est ce que tu es. Derrière ce corps, au-delà de tout ce que tu t'es donné d'être, au-delà de l'apparence, c'est ça qui est immortel. Le reste, c'est de l'illusion.